Tu mets allez Virenque. De toute manière, ça change pas, hein. Non, c'est allez Richard. Allez, allez Richard. Il a encore 3,47 d'avance. C'est la flamme rouge pour Richard Virenque. Il faut relancer, il le fait. Il attaque beaucoup, Richard. Il attaque beaucoup. Peur. Moi aussi, il me fait peur. Richard Virenque est un vainqueur providentiel, un perdant magnifique. La France du Tour, cette république en vacances, en a fait son monarque de juillet, son petit prince des cimes. Les gens l'aiment alors qu'il n'a jamais gagné le Tour de France et qu'il ne le gagnera jamais. Alors qu'il s'est dopé, qu'il a nié, qu'il a été moqué, qu'il a finalement avoué puis traversé le désert de l'exclusion. Mais on ne peut être insensible à ce que ce cycliste nous renvoie de nous-mêmes. Pourquoi est-ce que les gens vous aiment ? Parce que moi, je les aime aussi de les voir au bord de la route. Donc, c'est réciproque. Il y a un effet de respect. Je suis content de les voir là et ils sont contents de me voir. Et donc, c'est un échange qui se fait. Un échange... J'ai besoin d'eux pour me dépasser, pour faire des exploits. Eux, ils ont besoin de moi... pour rendre gai leur journée, leur semaine, leur mois, je sais pas, pendant le tour, je pense. Et voilà, donc c'est un... On s'entraide. Donc, je pense que c'est grâce à ça que je suis populaire. Richard Virenque, c'est un Français de 22 ans, le plus jeune du peloton, qui a bien failli ne jamais poser ses valises sur ce Tour 92. Il n'était pas sélectionné dans son équipe. Lundi dernier, on m'a appelé, on m'a dit « tu vas faire le Tour de France ». Bon, je me suis dit « c'est super ». Je suis jamais allé voir le Tour, je l'ai toujours vu à la télé. Ouais. Et la première fois que j'ai vu le Tour, je l'ai vu, j'y ai participé. Donc, Première participation, premier exploit. Pas moins de 230 km d'échappée, deuxième de l'étape et surtout, un maillot jaune à l'arrivée. Un héros, ça se crée en général par un acte inaugural surprenant. Non pas du tout par quelque chose qui adviendrait au terme d'une trajectoire rectiligne, mais tout à coup, un coup d'éclat qui fait que l'attention est polarisée sur ce héros. Le public a besoin de héros. Le Tour secrète et crée ses propres héros. La place était vide, Virenque a pris cette place, je pense. Par habileté ou pas, par choix, par calcul, je crois pas. Ça fait un moment que je tourne autour. Et on s'entend, vélo. J'ai le bon Dieu avec moi aujourd'hui. Je ne descends même pas de vélo, je crois que je suis encore sur mon vélo et ils arrivent tous autour de moi. Une marée, donc je ne connaissais pas ça dans le passé. Et donc c'était pour moi, c'était... Je découvrais tout ça. C'est le genre de coureur dont on se souvient quand on me remarque pour la première fois. Quoi. Il faisait ce qu'il fallait pour être remarqué. Virenque, c'est quelqu'un qui, très jeune, même déjà dans ce tour-là, qui s'était renseigné pour savoir comment il pouvait passer à la télévision. Il avait demandé ça à un journaliste de l'équipe qu'il aimait bien, Philippe Legarce, avec qui donc il était en amitié. Il lui a dit comment je peux faire pour passer à la télévision sur le plateau de Holz, tout ça. Donc c'était quelqu'un qui était intéressé par les médias, qui probablement avait compris que pour se faire un nom, l'acte physique ne suffisait pas. Et je crois que c'est ça, il avait intégré ça, ce qui est une forme d'intelligence dans ce métier-là. Alors gros plan, Pascal Gervais, sur le sourire de Richard Virenque. Regardez ça. Regardez le bonheur absolu sur le visage d'un jeune champion et on remet la casquette en place. Prenez un micro, Richard. Je suis vraiment content parce que quand je vais rentrer chez moi, il va y avoir beaucoup de monde qui vont me regarder d'un autre œil. Et cette victoire, quand je la dédie un peu à ma copine que j'aime très fort.
Qui s'appelle comment? Sylvie? Stéphanie. Stéphanie, ben voilà, le message est passé. Merci Richard. Les gens, je pense, ont beaucoup apprécié un peu l'immaturité qu'il avait et puis que ça ait réussi. Et voilà, je pense que c'est ça. Au début, c'était bien parce que c'était un gamin. Un gamin qui n'avait pas trop d'élocution, qui parlait mal et tout. Et puis finalement, après, ça lui a été reproché. Au début, on l'aimait pour ça. Parce que c'était le commun de... comment vous dire? Le commun du public, quoi. En février 2004, nous voici sur les routes du Tour méditerranéen. Et même s'il s'agit d'une course de troisième catégorie, tout le monde veut approcher, voir, sentir l'idole. Touchez-moi la main. Oui. Attendez, je vous la mets. Oh, voilà. Ça me fait plaisir. Vous avez les mains chaudes, hein? Oh, moi aussi. Ah bon? Faites quoi? Oh, oui, puisque j'étais allez, dans le ventre. Alors, ah bon, d'accord. Rendez-vous, moi à la télé et vous au Tour de France. Oui. Voilà, ben écoute, lui, il te garde chez nous. Oh. Attention. Le héros du Tour de France, auquel des millions de Français vont s'identifier, arrive à l'âge de 10 ans dans le Var, après avoir passé son enfance au Maroc. À 12 ans, il part sur son petit vélo bleu, prendre sa première licence amateur au vélo-club de Hyères, puis à celui de Lagarde. Et si Richard fait du vélo, c'est qu'il veut faire comme son grand frère, Lionel, l'aîné des trois enfants de la famille. Il a commencé à courir, donc avec mon père, on allait l'amener sur les lieux de course. Et de le voir courir, ça m'a... Ah, je me dis, je veux faire comme lui, quoi. Parce qu'on l'a encouragé, c'était quelqu'un et tout, je voyais qu'il y avait quelque chose qui se passait, quoi. Donc, de suite, j'ai voulu faire comme lui, quoi. Mais le petit Richard avait un autre rêve que le vélo. Oui, d'être danseur. Danseur professionnel, ben, il y a les artistes et il y a les danseurs derrière qui dansent. Donc ça, c'était un de mes rêves, être danseur. En attendant, Richard prend goût aux victoires et même parfois aux interviews. Il accumule les kilomètres et se bagarre sur son petit vélo. Quand j'étais tout petit, quand je m'entraînais, je voulais toujours partir avec le groupe qui était plus âgé pour pouvoir aller... Parce que je savais que les plus âgés, ils allaient faire la guerre et que nous, les petits, on allait nous préserver. Quoi. On n'allait pas monter cette côte parce qu'elle allait être trop dure. Ça, moi, je trouvais ça nul. Quoi. Je voulais aller avec les plus grands pour souffrir. Quoi. Mais il voulait gagner tout le temps. Quand il faisait deuxième ou troisième, il disait « Ah, peut-être j'ai mal couru aujourd'hui. Ah, attends, mais Richard, tu fais deuxième, tu fais troisième. C'est pas mal. » Non, oui, c'était la gagne. Il voulait arriver premier. Mais je trouve que c'est bien quand même. Au club de Cannes, puis de Mandelieu, Richard a une méthode pour gagner tout le temps, attaquer tout le temps. S'échapper dans des montées harassantes pour quérir ses trophées d'adolescent. Oui, ses idoles, c'était Lemon. Inno. Il voulait leur ressembler. Surtout Lemon, par la sympathie qu'il dégageait, son franc-parler américain. Bonne bouille. À chaque fois, il disait « Je suis les moines » ou « Ido, je suis Ido ». Et puis, c'était un jeu pour lui. Ressembler à Greg Lemon, la star du peloton des années 80, n'est alors qu'un jeu. Mais vient l'époque des choix difficiles, car sur ses cahiers à grands carreaux, Richard note surtout les kilomètres qu'il parcourt les mercredis et les dimanches. À 17 ans, il arrête l'école après un CAP de plombier, sans savoir s'il peut et s'il veut devenir professionnel. J'étais un peu branleur, quoi, comme les jeunes peuvent l'être dans la vie, quoi, avec les copains, les copines. Donc, avec ma mobylette, je fais quoi? Si j'arrête l'école, je fais pas le vélo, je fais quoi? Je traîne dans la rue, je fais quoi? Donc, j'arrête l'école, ok, mais je fais quelque chose de cohérent, je fais du vélo. Il part donc au service militaire, admis au bataillon de Joinville, qui accueille les sportifs prometteurs. Première équipe professionnelle, RMO.
première carte postale dédicacée et premier contact houleux avec les anciens du métier. Le directeur sportif, il devenait fou avec lui parce que les consignes pour l'équipe et tout, il cassait tout, il voulait faire à casse à tête. Bien, quand je l'ai rencontré la première fois, il y a une toute petite anecdote. La première des courses, on lui a dit « tu vas aller avec l'ancien » et on s'est retrouvé à Perpignan. Alors là, j'ai expliqué que la première course, tout ça, il fallait rester tranquille, voir un peu où étaient les choses. Vous pensez que 300 mètres après le départ, il avait déjà attaqué. Alors au bout d'un moment, je suis allé lui demander d'arrêter. Il m'a dit « je suis pas venu ici pour faire du tourisme, je suis ici pour gagner des courses et faire du vélo ». C'est sur le Tour 94, lors de l'étape qui mène à Luzardidène, que l'impertinence de Richard Virenque va finir par payer. Surtout, c'est là qu'il trouve sa place dans la mythologie du Tour de France. Il n'est pas le plus fort, mais il est celui qui ose s'opposer au plus fort. Il n'est pas le premier, mais il sera plus aimé que le premier. Il est celui qui conteste le pouvoir en place du roi Indurain. Il est l'individu qui s'arrache de la collectivité anonyme du peloton. Première victoire sur le Tour, où il offre au public sa souffrance et sa joie de grimper, dans ce style inimitable qui fera de lui une icône. Le grimpeur, c'est celui qui sait se détacher, vous voyez, dans une... celui qui sort, au fond, bon. Et puis qui s'aventure. En plus, il a une dimension qui est bien aimée aussi en cyclisme. C'est une sorte de, d'attitude un peu donquichotteste conquérante, vous voyez, on se détache, même si on n'arrive pas au bout, mais ça fait rien. Le public préfère les grimpeurs, peut-être parce que, je sais pas, dans la vie, on est toujours au pied d'un col ou quelque chose de cette nature, pourquoi pas, après tout. C'est-à-dire que le grimpeur, il y a quelque chose de... Il y a une trajectoire existentielle, le grimpeur qui gravit la montagne péniblement, qui peut se faire lâcher, qui a des coups durs. Chez Virenque, il y a quelque chose qui ne rappelle pas ce qu'était Bahamontès, l'aigle de Tolède, qui, lui, n'affichait pas sur son visage cette douleur que pourtant il ressentait. Ce qui est extraordinaire chez Virenque, c'est cette espèce d'adéquation qu'il y a entre ce qu'il peut ressentir, ce que l'on peut ressentir, et ce qu'il exprime. Et là, on a véritablement l'expression d'une émotion à l'état brut. Ça a été une étape de montagne comme je les aime, avec plusieurs cols. Et là, c'est des moments, en les regardant, ça fait quelque chose parce que c'est mon truc, quoi. Le public seul devant à souffrir. C'est toujours le même style. Hein. Et la foule en délire. Hein. Alors, voilà, c'est des basques et tout, mais ça. Ça change rien. J'ai l'impression que c'est ma scène, quoi. Que je suis sur scène à ce moment-là et que je fais une démonstration. Quelque chose de gratuit, de... Ah, je vous donne, prenez ça. C'est pour vous. Et c'est pour vous, mais ça me fait du bien de vous le donner. En résumé, c'est un peu ça, c'est que c'est bon d'être là comme ça pour vous et pour moi parce que j'en vibre. Porté par le public, Richard Virenque qui relance encore. On va assister à une grande et belle page de l'histoire du cyclisme français. Quand il monte sur son vélo, il est content de monter sur son vélo, il est content d'y aller, il est content de... vous avez des gens qui se présentent devant 5000 personnes pour prendre la parole ou pour chanter. Il y a des gens qui vous disent oh, « vous me donnerez tout ce que vous voulez, j'irai jamais ». Et puis d'autres, vous leur dites bah, « t'y vas pas », ils vont vous donner tout ce qu'ils peuvent pour y aller. Lui, il sait jouir de ça. Et ça se voit. Et le public aime ça, parce que le public sait qu'il jouit de ça. Donc le public... Et pourquoi jouit-il? Parce qu'il y a le public. Donc osmose. Ce fut de grands moments... physiquement, quoi, et rien que de regarder ça, je sais pas si on le voit, mais je jubile, quoi, de... C'est génial pour... C'est fabuleux. La génération de Richard Virenque admet beaucoup plus facilement qu'un coureur extériorise sa joie entièrement. Pour nous, c'était... Je pense qu'il fallait être un peu plus réservé, sinon on avait
l'impression de d'être oui c'est ça, d'être fanfaron, d'avoir la grosse tête, de à la limite même de manquer de respect au public, alors que maintenant au contraire c'est amener quelque chose au public, c'est lui faire plaisir. Avec les pleurs et les joies de Luzardiden, notre nouveau champion enterre définitivement le cyclisme à papa. Car Virenque n'est pas un Hino, intraitable patron respecté par le peloton pour sa force et ses victoires. Il n'est pas non plus un Poulidor, éternel sous-chef d'une France rurale désormais lointaine. Et dans sa génération, il n'est pas non plus comparable à Jalabert, cycliste plus souvent victorieux, mais peut-être trop solide pour devenir une idole. 8-10 ans plus tôt, c'est encore le cyclisme très lourd. J'allais dire que les jeunes coureurs cyclistes ne ressemblaient pas aux jeunes de l'époque. Et je crois que les jeunes de l'époque n'avaient pas envie de ressembler aux coureurs cyclistes. C'était des icônes, Jacques Anquetil, Bernard Hinault. Mais je ne pense pas que les jeunes « tendances » entre guillemets avaient envie de leur ressembler. Un jeune classique, un peu moderne quand même, va se retrouver peut-être dans Richard Virenque, alors qu'il ne se retrouvait pas, je pense, dans Bernard Hinault. Karine Geoffroy est une étudiante qui aime le vélo. Et quand elle peine à relancer dans des côtes trop ardues, elle pense à Richard, son Richard Virenque, qui, lui, ne relâcherait pas son effort. Et ça lui donne la force de continuer à appuyer sur ses pédales qui lui font mal. Elle a même créé un site internet dont le nom est sans ambiguïté, Richard Forever. Mon idole, c'est Richard Virenque. C'est l'idole de ma vie. Après, j'aime bien d'autres sportifs parce que j'aime bien un peu tous les sports, mais lui, c'est le numéro un. J'ai à peu près une quinzaine d'autographes de Richard, de 1996 à aujourd'hui. J'étais venue à une course où mon père participait. C'était la course à Richard, ça s'appelait la Virenque du Verdon. Et je connaissais juste un peu le vélo, j'étais venue comme ça. Et mon père m'a dit, il y a un champion, va lui faire signer un autographe. Et j'y suis allée et je pensais que c'était un champion régional ou départemental. C'était en mai 96 et donc en juillet, j'ai suivi le Tour de France et j'ai vu que c'était un très grand champion. Et depuis ce moment-là, je suis fan. La magie opère entre l'idole survoltée et une armée de fans qui ne rêvent que de le voir briller. Même si le jeune leader de l'équipe Festina est parfois dépassé par des hommes forts nommés Miguel Indurain, Bjarne Riis ou Jan Ullrich, la foule est ivre d'espoir pour son héros. Espoir justifié par 4 titres successifs de meilleur grimpeur à partir du Tour 94 et une 3e place prometteuse sur le podium en 96. Les résultats et la manière réunis en un seul champion, le public est comblé, la Virenque Mania est née. Je ne suis pas sûr que la presse ait joué un très grand rôle. Je pense pour le coup que c'est lui qui a bien su l'organiser. La presse a suivi, elle ne l'a pas fabriqué. C'est un constat. Le phénomène, il est d'abord sur la route. Il est d'abord sur la route. Et il faut voir ce que c'est qu'un Tour de France, avec cette espèce de passion bizarre, irrationnelle des gens pour Virenque. Il est le bonobon, il a une physique de star. Il pourrait faire du cinéma, ce garçon. Comment je pourrais vous dire, un Alain Delon, il est beau garçon. Demandez à ma femme, Alain Delon, elle vous dire, c'est le plus beau. Et pourquoi, elle ne sait pas. C'est Alain Delon. Et là, c'est pareil, Richard Virenque, c'est le plus beau, parce que pourquoi, on ne sait pas. Ça a plu aux gens, ma façon d'être, ma façon de me présenter, mon charisme. Ça a dû plaire et c'est clair, c'est tout va ensemble. Ouais. Et à un certain moment donné, il n'y a pas de champion avec des mauvais physiques. Enfin, tout coïncide. Et Virenque, c'était un peu ça. C'était le soleil du Tour de France pour beaucoup de gens. C'est-à-dire, voilà, puis ce coureur-là, il ne décevait jamais. Il n'a jamais été décevant comme coureur Virenque. Ça, c'est important de le noter.
là, j'étais arrivé au top. Je me souviens, l'équipe Festina était quand même impressionnante. Richard était vraiment déterminé et, comme toujours, très fort dans ce genre d'étape. C'était une star, je pense que c'était une star aussi dans son équipe. On était là pour gagner, quoi. On attendait depuis Bernard Hinault un vainqueur français. Ça pouvait être Richard. Dans ce Tour 97, la Virenque Mania est à son apogée. Richard sera deuxième du Tour, son meilleur classement. Il attaque toujours dans l'école, mais il dispute désormais aussi le maillot jaune à Yann Ulrich. À Courchevel, le public découvre son icône à l'insolente domination et l'icône trouve une signature à la hauteur de sa réputation. Cette image a fait le tour du monde. C'est vrai qu'une des leçons du sport, c'est que n'importe qui peut devenir quelqu'un. Et une des raisons de la popularité du sport, c'est que vraiment, au lieu de le raconter, comme nous sommes en train de le faire, le sport, lui, il le montre. Il montre qu'un Zidane, qu'un Virenque, ils sont partis de peu et ils sont arrivés au sommet. Et c'est vrai que si le héros sportif fascine, c'est parce qu'il nous rappelle cette leçon de société qui sont des sociétés au moins idéalement égalitaires. Et Virenque participe de cette mythologie de l'époque contemporaine dans la mesure où il nous fait la preuve que nos sociétés offrent une chance à tous et en même temps que même si on a eu cette chance, on peut rester très proche de là où on est parti. Notre héros sportif revient là d'où il est parti, à la Londe-les-Morts, le village qu'il a vu grandir, et d'où démarre la deuxième étape du Tour méditerranéen 2004. Il est aimé parce que ce qu'il représente, c'est le courage, la combativité et ce que le public apprécie, à l'inverse du sprinter qui jaillit dans les 150 derniers mètres et qui est aux yeux du public pendant 8 à 10 secondes. Richard part à 150, 180, 200 km de l'arrivée et le public aime ça, d'autant que sur le plan du spectacle, c'est un peu Hitchcockien parce que même les commentateurs de télévision se prennent au jeu. Saura-t-il rattraper? Ira-t-il jusqu'au bout? Est-ce que le gain de l'étape est assuré? Oui, et peut-être le maillot jaune en prime. C'est ça qui fait la popularité de Richard. Et puis en dehors de ça, il est tellement gentil, vous allez voir tout à l'heure. Il va être pris en photo, il va signer des autographes. Il y a tous les gamins de l'école qu'il a fréquenté quand il était enfant ici à la Lonne qui ont préparé des questions pour faire un reportage. Voilà pourquoi il est populaire. C'est beau aujourd'hui, hein? Ah ouais, c'est super. Alors, merci, hein? Faudra crier tout à l'heure, hein? Vas-y, Fanny. Allez, à tout à l'heure. Salut. Merci. Richard. Mais c'est surtout les jeunes et les personnes de certain âge. Les jeunes et les vieux, si vous voulez, qu'il aime bien. Et surtout les filles. Des milliers de lettres en provenance de toute la France arrivent ici pour notre Varois. Et c'est son supporter club, dont la responsable n'est autre que la mère de Richard, qui gère cette prodigieuse correspondance. C'est parfait. Voilà, là il y a un beau poème. Celui-ci, peut-être qu'il faudra le mettre sur le journal qu'on va faire. Hein, parce qu'il est super beau ce petit poème. Tu es à mon âme, sais-tu que tu entres à mon âme plus souvent que toute autre pensée, et dans la journée qui s'écoule, dès qu'un moment de paix se présente, et comme mon imagination s'envole, c'est vers toi qu'elle m'entraîne pour me blottir entre tes bras, ne souhaitant être nulle part ailleurs. Je sais que mes pensées sont le fidèle reflet de mon cœur, car chaque fois qu'elles prennent leur envol, elles m'emportent vers toi. Voilà. Donc là aussi, pour ma nouvelle chambre, j'ai bien acheté du sol stratifié cuistère. En plus, j'ai eu un poster de toi et un de toi avec une partie de l'équipe. Bon, je vous laisse, je t'adore, Virginie. Donc ce sont pratiquement des lettres comme ça, presque toutes. Voilà. Il est vraiment idolâtré. Hein. Je ne sais même pas si lui se rend compte de la popularité qu'il a.
C'est, nous, on le voit à travers les lettres, on le voit quand on va sur les parcours. C'est vraiment très, très émouvant. L'amour pour Richard Virenque existe donc bel et bien aujourd'hui, même s'il y a eu l'affaire. L'affaire Festina. 3 jours avant le départ du Tour 98, le soigneur de l'équipe Festina est arrêté alors qu'il transporte des produits dopants. Garde à vue, enquête, rebondissement, le monde du vélo tout entier perd l'équilibre. Devant l'évidence, et même si les coureurs n'ont pas été contrôlés positifs, après une semaine de course, les organisateurs du Tour tranchent. Nous avons pris la décision d'exclure l'équipe Festina du Tour de France à compter de ce jour. L'image de fin sera celle d'un café, chez Gilou. Un café ordinaire, un café de Corrèze, un café du Tour de France où Richard et ses coéquipiers convoquent une dernière conférence de presse. Le noyau, Brochard, Didier Rousse, Christophe Moreau, Pascal Hervé, moi-même et Richard, on était vraiment, depuis le tout début de Festina, un groupe très soudé, avec une amitié très forte, et c'est un petit peu ça qui s'est, ce jour-là, qui s'est brisé, quoi. Aujourd'hui, à l'heure qu'il est, on a pris la décision, toute l'équipe Festina, tous les coureurs, de se retirer du Tour. Et je remercie le public qui a été très, très... qui nous a énormément soutenus et qui va encore nous soutenir. Et je donne rendez-vous à l'année prochaine. Merci. Quand on revoit les images, ça reste un gâchis, quoi. Un gâchis et... Donc voilà, quoi, c'est clair que... Touché coudé. Moi, je suis tombé de haut parce que... Je suis pas vicieux, je pensais pas qu'il pouvait y avoir des trucs comme ça dans le... Et pourtant, je le suivais de partout, hein. Je pensais pas. Je sais très bien qu'il prenait des trucs, et, comme on dit, on fait pas le Tour de France en brûlant de l'eau. De l'eau plate, hein. On prend des fortifiants, on prend ci, on prend ça, mais je pensais pas que... Je suis tombé de haut, là. Est-ce que vous avez, voilà. Est-ce que vous avez eu peur pour la santé de votre fils à ce moment-là? Eh ben ouais. Eh ben oui. J'ai vu ce coureur en larmes et évincé de la chose qu'il aime le plus au monde, le Tour de France, et dépossédé, je pense, de son propre personnage. J'ai vu ça, un acteur qui s'est retrouvé, comment on peut dire, on lui avait retiré son rôle. Allez, Virenque ! Allez, Virenque ! Allez, Virenque, mon frère ! Allez, Richard ! Allez, Richard ! Allez, Richard ! Arrête-toi, laisse-le partir. Allez, Richard ! Il joue le rôle du petit à l'égard des puissants qui veulent l'écraser. Et il résiste contre ces puissants. Et il a... En plus, résister, qualité supplémentaire, en montrant ses propres faiblesses et sa propre émotivité. C'est-à-dire qu'il a pleuré devant le public. C'est pas rien, ça. Ils sont à ce moment-là uniquement des victimes dans l'esprit du public. On reçoit des lettres par centaines. Arrêtez de parler de dopage. Ne les embêtez pas. C'est-à-dire que c'est ne touchez pas nos icônes. Et ça va évoluer au fil des mois et des années. Mais à ce moment-là, c'est ça. Virenque a été la victime emblématique d'un système. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas responsable. Il était responsable comme beaucoup d'autres, mais il est celui qui s'est fait prendre par le gendarme. Et ça, il y a aussi un côté très français, c'est-à-dire que tout le monde fait des excès de vitesse en voiture. Celui qui se fait prendre, il se fait prendre. Et puis il y en a beaucoup d'autres qui ne se fait pas prendre. Il y a un côté injuste. Moi, je me suis fait prendre, la voiture devant, elle roulait encore plus vite que moi, vous ne l'avez pas arrêté. On dit tout ça. Est-ce que l'affaire Festina a fait baisser votre envie de supporter Richard? Non, pas du tout. Donc pendant une période, tout le monde me disait « enlève tous tes posters ». J'ai rien enlevé, je lui ai envoyé des lettres, je l'ai soutenu. J'ai compris que tout retombait sur lui alors qu'il n'était pas le seul. Je l'ai soutenu. Voilà, sans transition, je reçois Richard Virenque, le cycliste qui ne prend rien. Bonsoir. Et son avocat.
Oui, maître Collat, avocat à la cour, à la télévision et à la radio. Alors Richard, les accusations contre vous continuent. Tout semble indiquer qu'on vous faisait régulièrement des piqûres. Mais à l'insu de mon plein gré. Arrêtez avec ça, Richard, vous ne pourrez plus jouer les naïfs très longtemps. C'était vous parler, on vous descend. Donc, bon, comme je voulais pas être descendu, je suis resté sur ces positions-là. Mais c'était tactiquement un mauvaise tactique, quoi, parce que ça dure un peu longtemps dans le temps, quoi. Je crois qu'il l'aime bien, parce qu'en fait, on se demande pourquoi il l'aime bien. C'est quelqu'un qui a triché, qui a fait un peu n'importe quoi, qui pendant 2 ans s'est obstiné. Donc c'est vrai qu'on peut se poser la question. Et en même temps, il y a un côté môme qui est pris les doigts dans la confiture. Bon, on sait qu'il ment. Bon, il sait qu'on sait qu'il ment. Mais il continue et il est là. Bon, on se dit, ben c'est vrai, il est pris à l'insu de son plein gré, finalement, il est broyé dans une machine, ils sont trop forts pour lui. Lui, c'est David contre Goliath. Et je crois que c'est ça, on a envie à la fois de le materner, de lui dire, mais enfin, Richard, fais pas ça, tu vois bien que tu es un gamin, personne ne te croit. Jusqu'à l'âge de 3 ans, il a dormi dans une couveuse à poules, nourri de gâteaux secs et de vin cuit. Quoi? C'était pas du Nesquik? Oh là 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 là. La maladresse de Richard Virenque, elle joue contre lui pour les Guignols, pour Libé, Le Monde et les journaux, pour les gens d'en haut. Et en revanche, c'est là où il y a toujours cette fracture entre les gens qui croient tout savoir et qui croient tout maîtriser, et puis cette France d'en bas, j'aime pas le terme, mais eh ben, eux, ils se disent, moi, dans une situation comme ça, je serais aussi maladroit que lui, je serais aussi... Il m'arrive, moi, dans ma vie, peut-être sont-ils plus lucides et plus honnêtes. En se regardant à la glace le matin, ils se disent « Bon, il m'arrive de mentir, il m'arrive de ne pas assumer mes actes, il m'arrive d'être maladroit et d'être mal à l'aise devant mon patron, devant mon petit chef. » Et la phrase « à l'insu de mon plein gré », alors ça fait vraiment rigoler. La France d'en haut, c'est « Ah, à l'insu de mon plein gré, qu'est-ce qu'il faut être con pour dire ça ?» Mais la France d'en bas, elle se dit « Ouh là là, mais moi je dis à l'insu de mon plein gré, moi je suis capable de faire des trucs comme ça. » Et là, je pense vraiment qu'il s'est ancré dans le cœur des Français. La société dans son ensemble, d'en haut ou d'en bas, condamne le dopage. Mais elle semble néanmoins avoir du mal à totalement rejeter ceux qui se sont dopés. Et je ne suis pas sûr que la vertu paye beaucoup dans le cyclisme. Les champions vertueux ont rarement été très très populaires. Parce que le public sait bien au fond de lui-même que la vie, elle ne se gagne pas toujours par des moyens parfaitement honnêtes. Hein. Même les enfants de cœur, ils piquent du vin de messe. Alors, bon, si les coureurs prennent un petit quelque chose, bon, allez, on va les absoudre. À l'évidence, le dopage peut, et j'ajouterai doit, être interprété comme étant dans le prolongement des sociétés concurrentielles. Des sociétés qui ont le sentiment que c'est toujours en dépassant les objectifs acquis que l'on pourra être mieux. Pendant 2 ans, Richard Virenque partage son temps entre vélo et justice. En octobre 2000, il avoue enfin. 2 mois après, la sanction sportive tombe, exemplaire. Exclu pendant 9 mois du peloton. Privé de Tour 2001, privé de public. Richard se retrouve seul et sans équipe en Suisse. Seul Laurent Jalabert, l'ancien frère ennemi du peloton, l'aidera en voisin à remonter la pente. On a beaucoup trouvé que les coureurs lui tournaient le dos, peut-être parce qu'il a vu cette attitude avec son équipe Festina qui était hyper dominatrice, peut-être une attitude un peu arrogante, quoi. Oui, je pense qu'arrivé un moment, je me sentais invincible. Ouais. Ouais. Invincible, et le groupe qui était autour de moi, on était bien persuadés de l'être, hein, je pense. Ouais. Et pour ma vie de tous les jours, ça a été une bonne chose aussi. Je m'en suis servi, ce qui m'est arrivé en 98 aussi, pour repartir sur des bases beaucoup plus réelles.
Alors, il y a quand même un truc très étonnant. Pourquoi Virenque a gagné Paris-Tours? Un jour, je vous répondrai, il n'y a que Virenque pour gagner Paris-Tours. Et puis, il a toujours fait des échappées comme ça, comme celle-là. Ah ouais, celle-là, Paris-Tours. C'était pas pour lui, cette course, mais... Définitivement ami du paradoxe, le petit roi de la montagne va signer son retour dans les plaines désespérément plates du Val-de-Loire. Après sa suspension, notre héros malheureux a retrouvé un CDD de 3 mois dans l'équipe dirigée par Patrick Lefebvre. J'ai eu la chance, une fois de plus, de rencontrer ce Patrick Lefebvre qui m'a tendu la main, qui m'a donné un vélo et un maillot et qui m'a dit ben, « Montre-moi qu'est-ce que tu sais faire ». J'avais pas de budget et j'ai dit écoute, même si je dois sortir un petit peu d'argent de ma propre poche, je veux prendre le risque. Si je loupais mes 3 mois, ben c'était fini quoi. Après 225 km avec Jackie Durand, Richard Virenque profite d'une montée ridicule pour laisser son compagnon d'échapper à son infortune. Pour être le seul dans les 8 derniers kilomètres à résister au peloton. Le peloton, cette grosse bête informe qui n'aime rien d'autre que dévorer les coureurs isolés. Là, ce jour-là, il y avait un caméraman, vous voyez des images, il y a un caméraman qui est derrière, et je peux vous dire que ce caméraman, voilà, qui me filme, il m'a hurlé dessus, il m'a encouragé. Et ça, il m'a fait... un bien dans ce final où j'avais mal de partout, il fallait que j'accélère et tout. Le grimpeur qui gagne la classique la plus plate, et là ça a été pour moi... Bah là je rebondissais là. Je rebondissais après tout ce que j'avais vécu et... C'est de l'émotion, quoi. C'est... Là, c'est un degré de plus de, par rapport à 99 ou à 2000. Là, le truc, c'est que c'est de l'émotion, mais c'est plus de l'émotion avec de la tristesse et de la douleur et tout ça quoi, que je ressens. C'était quelque chose d'inouïable. Il nous a pris au cou tout le monde, là, émotionnellement. Après Paris-Tours, quand je rentre chez moi, là... Là, c'est bon, parce que... C'est respect. Et respect, c'est pour moi, c'est un mot qui porte totalement son... On me respectait jusqu'en 97. J'étais adulé, j'étais le plus beau, j'étais plus fort. Et après, on m'a plus respecté. Et après, 2001, on me respecte. Et là, ça c'était bon. Ça c'était le... Aujourd'hui, partir avec le respect, c'est ça le plus fort. Pour moi, sa vraie victoire, c'est d'avoir survécu à l'affaire Festina et d'être resté dans son métier. Je pense que sa plus belle victoire, pour moi, elle est là. C'est-à-dire qu'il montre aux gens que dans la vie, il ne faut jamais se décourager et qu'on peut aussi surmonter les grandes souffrances. Et c'est en cela que c'est assez quand même
assez troublant la force morale qu'il a fallu à Richard Virenque pour revenir. Quoi. C'est, en cela, je pense qu'il a un côté un petit peu héroïque. Quoi. Le meilleur grimpeur, Richard Virenque, quintuple meilleur grimpeur du Tour de France. Voilà, Richard, retour sur le Tour de France. Juillet 2002, notre héros retrouve enfin sa scène favorite, le Tour de France. Pour que le héros puisse avoir vraiment une grandeur, une identité, pour qu'il puisse provoquer précisément l'adhésion, il faut qu'il y ait des brisures. Et il faut qu'il y ait des brisures surmontées. Bien, bien, Mala. Et c'est vrai que les champions populaires sont souvent ces champions qui ont des vies dramatisées, des vies comme des scénarios de film, avec ces moments de déchéance et puis ces moments de remontée. C'est super ce que tu fais. Et tout cela, évidemment, suscite les émotions, la joie quand ils gagnent, la tristesse quand ils perdent ou quand le sort s'acharne contre eux, l'admiration à certains moments, l'angoisse et puis aussi la colère parfois contre les autres qui ont été vraiment méchants avec notre héros. Quel meilleur théâtre que le Mont Ventoux pour enfoncer le clou. Mythique obstacle provençal qui a doublé plus fort. Le Varois est échappé depuis les premiers kilomètres et même s'ils sont 10 devant, le public ne crie qu'un seul nom. Des fois même j'ai un peu honte quoi parce que bon, je suis là, je suis pas le vainqueur du tour, je suis pas celui qui a tout gagné, et j'arrive là, on me prend comme si, vous voyez, au niveau du public. Hein, alors des fois, j'ai un peu un sourire, un peu... Je souris, mais quand les autres me regardent, ce sourire veut dire, bah, excusez-moi, mais c'est les gens qui me crient dessus. C'est comme ça. Chercher sa victoire d'étape contre de Lance Armstrong. Armstrong part seul à la poursuite de Virenque. Jean-René. Armstrong, c'est véritablement le champion, celui qui surclasse tout le monde, celui qui a peu d'état d'âme, celui qui a une sorte de parcours linéaire, qui gagne, qui rafle tout sur son passage. Et puis, Virenque, c'est un autre type de héros. C'est un héros souffrant. Un héros qui, par ailleurs, a eu des ennuis aussi et puis qui a su les surmonter, qui nous montre que la faute peut être suivie d'une rédemption. Il nous dit beaucoup de notre vie quotidienne, de nos trajectoires difficiles et qui a cette part d'humanité qui semble parfois absente chez les très, très grands champions. Le cas de Virenque, moi, m'intéresse parce que c'est typiquement un héros ou un contre-héros, d'ailleurs, français. En quoi ? Il y a une expression en France, le petit Parisien, un journal. C'est pas le grand Parisien, où on dit c'est un petit Français formidable. C'est pas un grand Français, c'est un petit juge, c'est pas un grand juge. C'est-à-dire qu'il y a un côté comme ça, où on aime que le type, au fond, c'est pas terrible, il gagne pas. Et puis tout à coup, il nous surprend. Oh, c'est formidable. On a l'impression... Pourquoi ? Parce qu'il nous ressemble. Parce que c'est un peu nous. Et puis les gens aiment bien s'identifier. Or, les gens, ils ne sont pas des gagnants. Il y en a, mais la majorité des gens, c'est des gens qui ne gagnent pas. Donc, ils s'identifient à quelqu'un comme eux. Je crois que c'est très important, ça. Virenque, c'est le champion d'une puissance moyenne. La France, c'est une puissance moyenne. Donc,
effectivement, par rapport à un champion comme Armstrong, l'Américain, bah, Virenque, il est plus petit, mais la France est plus petite que l'Amérique aussi. D'une certaine manière, Virenque est à l'échelle de la France. Tous les mois de janvier, en fait, il y a une soirée avec tous ses fans et en présence de sa famille. Il est vraiment très abordable, il parle avec tout le monde, il prend des photos, il signe des autographes pendant des heures. C'est vraiment bien pour pouvoir l'approcher. Ah, oh, super, on va J'ai pu lui parler bien 10 minutes. J'ai pu le filmer, je l'ai un peu interviewé. Richard, ah. Alors cette soirée, qu'est-ce que t'en dis? Bah, c'est à vous de le dire, hein, mais tout se passe bien. Et... quelle heure il est là? Minuit. Minuit déjà? Minuit 20. Non. Minuit 20. Minuit 20, voilà. Et maintenant, on va passer à la suite. C'est l'heure d'aller en boîte. Ouais, c'est l'heure de passer à la suite. Alors, et ta forme du moment? La forme, c'est pas la forme olympique, mais... Arrive, allez, Richard. Hein? On va voir le champagne. Ah, non, mais je n'aime pas trop le champagne. Allez, Richard. Chez Virenque, qu'il y a quelque chose qui peut plaire aux adolescents. Je crois. Il y a quelque chose de très adolescent chez lui. C'est-à-dire, oui, se battre pour se battre de façon même désordonnée. L'expression d'un tempérament, mais des fois sans réflexion, sans calcul. Moi, je crois que lui, aussi, il s'inscrit dans une certaine forme de, oui, de romantisme. Il ne peut pas gagner le tour, Virenque. Je crois qu'à part l'année où il y a eu cette affaire, l'année qui a précédé l'affaire Festina, et on sait pourquoi, il s'est élevé à un niveau qui n'était pas le sien. Puisqu'il en était arrivé à rouler fort contre la montre, mais que finalement, le propos de Virenque, ce n'est pas ça. C'est-à-dire s'exalter à travers le Tour de France. Le Tour de France, c'est une immense fête populaire qui focalise l'intérêt des Français 1 mois sur 12. Et lui, là-dedans, il est le feu follet, il est un peu il veut être le roi de ça. Il colle bien à tout l'imaginaire du Tour de France. Il a compris ça, le champion... que le panache est plus essentiel que le résultat. Parce qu'en vérité, je pense qu'au bout du compte, au-delà du palmarès, ce qui compte, c'est l'empreinte. Et que lui, il est totalement là-dedans. Voilà. Est-ce que le vélo sans dopage, c'est possible? Oui. Oui, c'est possible, mais... c'est les objectifs qui sont moins possibles, quoi. Donc, j'irais sur une saison ou sur un grand tour, c'est plus pareil, quoi. Quand je vous disais tout à l'heure que... avant 98, je pensais gagner au Tour. Après 98, je ne pensais plus à gagner au Tour. Donc, du favori du Tour, vous passez à une personne, un vainqueur potentiel d'étape. Mais aujourd'hui, c'est ce qui me convient parfaitement. Pourquoi j'aime tant souffrir ? Quelle question. Si on souffre et on n'a pas de plaisir, on peut pas le faire. C'est-à-dire, de suite, on arrête tout, quoi. Mais quelqu'un qui a du plaisir à faire quelque chose et qui souffre, eh ben, il compte pas. C'est-à-dire, il y va. Moi, quand je suis dans le Tour, je souffre et ça me fait plaisir. Et vas-y, j'y vais encore. Mais le jour où ça me fera plus plaisir de souffrir, j'arrêterai. Et je pense aujourd'hui, je suis allé au bout des choses. Thank you.
Bah, si on revient en 92, c'est... J'ai fait le tour de la chose. La boucle qui se ferme et... Bon, je suis toujours sur un vélo cette année, mais... Je pense que j'ai fait le tour de la question, quoi. Donc, c'est un moment que j'apprécie énormément et... Et voilà, quoi, donc, avec ma famille... Et ce maillot jaune. Parce que Richard Virenque est un être complexe, et justement c'est pour ça qu'il est aujourd'hui une sorte de personnage à la fois détesté par certains, qui ont bien joué avec lui à une époque pourtant, adulé par d'autres, qui n'ont rien voulu voir. Je pense que c'est cette personnalité complexe, elle s'exprime par le fait qu'il est impossible de résumer Richard Virenque en un mot. C'est impossible. Un seul, c'est dur. Hein. Comment on peut dire Ça me vient pas, mais il y a un mot très précis, ça me vient pas. Oui, moi je dirais ingénu. Ingénu, oui, il croit à ce qu'il dit, il croit qu'on le croit. Je dirais panache. À la fois le panache et la fragilité. La vaillance. Ingérable. Volontaire. Oh, ben battant, c'est un battant. C'est mon idole, c'est mon dieu. Du panache. Hargne. La passion. Bah, c'est panache. Champion. Courageux. Si je devais employer qu'un mot pour Virenque, c'est papillon. Quoi. Papillon parce que les exploits qu'il a réalisés sont belles choses, peuvent être aussi beaux que le vol d'un papillon. Et en même temps, il est le papillon qui s'est brûlé les ailes au projecteur de la célébrité. C'est un être complexe. Allez, voilà, j'ai trouvé le mot. Richard Virenque en un mot, complexe. Richard, pour moi, c'est... S'il n'y en a qu'un, c'est Richard Virenque, c'est mon idole. Point final.